Monsieur, bonsoir, bonjour, dépendamment et dans quelle position vous êtes, dans quel pays vous êtes, dans quel fuseau horaire vous êtes, on va regarder l'émission ça. Et 2 3 mois à Pipo, et je dis à son émission que à la rigueur, on est capable de dire qu'il est historique, historique par rapport à la qualité invitée, et puis historique également parce que l'émission ça va marquer début une collaboration, nous espérons, qui parle longue et fructueuse entre Alternative Plus et Télé Anacaona. Donc, pour sortir ça de 2 3 mois de pipeau, on a pu se voir quand même un grand personnage de la musique haïtienne. C'est un personnage qui est très discret, à la rigueur très effacé, qui gagne un pile modestie et qui difficilement choisit pour le parler. Donc, nous avons eu la chance, je ne vais pas dire nous persuader lui, parce qu'il a répondu oui dès notre première invitation. En tout cas, mesdames, messieurs, nous avons l'honneur, le plaisir, le privilège de recevoir sur le plateau de Télé Anacaona et sur le plateau de Alternative Plus pour la même occasion, nous avons le plaisir de recevoir M. Smith Jean-Baptiste. Smith, et bonsoir, Baudet, qui vient là. Mon cher, bonsoir. Et ça fait plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Parce que je connais que nous avons fait un petit bagage que nous C'est causé avons une fait, balle, c'est ça? petit causé, vous parler. Et puis je salue tout le monde qui a suivi nous et dans le monde entier, que ce soit Cotoya, que leur Cotoya, qui continue. En tout cas, que nous mettons une petite chaise à nous allons faire une belle émission. C'est ça. Smith, pour les gens qui ne connaissent pas, Smith sont percussionnistes dans toute l'acceptation du terme et qui influencent en pile, donnent la musique haïtienne, notamment le compas, et puis qui quand même fait une partie de, qui quand même fait partie et de un groupe qui c'est peut-être plus bel échantillonnage que le monde après va parler de compas direct. Donc Smith, et avant de rentrer là. Domaine musical là qui est souillé et coteau fait et monde qui côtoyait et font-ils raconter nous en France comment ça a Bon, commencé? non, c'est Smith qui prénom qui bat un peu le problème, spécialement aux États-Unis. Smith, c'est toujours dernier nom. Et puis, non, prénom, c'est Smith. Non, c'est Jean-Baptiste. So, Smith Jean-Baptiste. Et puis, les amitiés avec le grand public, le Smithy. Bon, moi, je fais Port-au-Prince. Mon père était un officier de l'armée, monsieur son Nordiste, saute dans le Nord, moi-même son Jacques Médienne, et puis c'est pour Dieu à ça. Ok. Smith, vous faites n'importe où Prince, c'est dans quelle zone n'importe où Prince, exactement. Moi, j'aime faire les bapitures. Ok, ma petite. C'est bapitures. Ok, est-ce que ça dérange au Bayané? Parce que je connais Ah non, mais le problème, c'est le 2 mai 1946. Ok. 16 ans après la fin de l'occupation américaine. Ou bien quelques années là, oui, Smith. Oui. Oui, c'est une trois quarts. Trois quarts, trois quarts. Ok, Smith, écoutez, à nous parler, vous faites un peu de choses. Et qui, à l'époque, tu voulais dire qui choisit? Un peu de choses en période ça. C'était un quartier, comme on dit, classement en avancé, un peu intellectuel. Et font-ils parler non, de un peu de choses dans la période ça? Bon, pas réellement le bapitures mon enfance. Parce que, comme je disais tout à l'heure, par des militaires, je suis commandant fort national. Nous étions dans le fort, et là, ça me fait tout. L'âge de connaissance que je appelé moi, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et Ok. puis, de là, étant venu traverser le canapé vert, je me retournais pas plus de choses encore côté de m'tenir. Ok. Eh bien, bonne question, l'autre jour. Haïti, période, ça. Comment était, c'est quoi tes souvenirs de Oh, France? mon cher. Et naturellement, on a tout dit, en France, surtout au plus belle, mais avec un peu honnêteté, comment c'était? Ah, mon cher, Haïti, ça, c'est un bar extraordinaire. Mon cher, j'ai eu la chance, excuse-moi, j'ai eu la chance de voir tous ces choses-là. Ouais. Moi, et parti politique, parti footballistique, parti musical. Yo, parce que moi, là, certain que je suis témoin tout bas ça. Oui, attendre des jeunes, ça y est, Guy Diosier, compagnie, et puis Udmaier. Et puis, une deuxième volée, une jeune Nemo, Jean-Baptiste Sico. Et puis, jusqu'à ce que nous venions former jazz par nous, bon, qu'on connaît, qui vient chleu-chleu. Ok, nous allons Là, venir c'est sur une ça. sous-histoire, ça. Ok, Mais nous allons venir sur ça. question posée maintenant, moi, vécu, et puis moi, Ok. participé, moi, témoin
tout belle bagarre Haïti ça encore demandé là. OK, 17 18 ans Haïti dans la période où jeune garçon ou fait cap quitter adolescence ou grandi, c'est quel loisir que tu gagné, quel na club qui tu gagné et c'était quoi la vie pour les jeunes en termes de loisirs et puis qui genre musique tu en dans ça. Bon, je n'ai pas réellement gagné un loisir percé. Parce que c'était l'époque de Moussiko, alors je m'appelais à la teenager, mais Moussiko, que nous n'avons pas de calme dans le bal. Mais nous avons fait notre bal, que nous avons fait le premier groupe musical jeunesse qui a commencé à jouer, c'est le groupe Yeye, que un pile musicien que vous connaissez, qui est dans la même génération avec moi. Et parmi lesquels Boulovaco, et tant d'autres, les Larac, et tant d'autres autres musiciens. Qui fait un groupe, José Tavernier, qui était les Copains, les Mordus, les Vampires. C'est là que jeunesse a commencé à jouer musique sur scène. Là, on a qui période à peu près 1960, 1962, 1963. Ok. Coup de rapidement dans la chouchou, on a besoin de camper, décor qu'on levé. Et coup de rapidement dans la chouchou, qui a un chouchou à prendre naissance. Chouchou, faut bien quelle année exactement? Bon, qui t'aime faut tirer si pour vous. Alors, de Yeye, le. Il n'a pas fait long feu, et puis nous commençons à jouer pour pas direct. Les petits groupes, quartier, on va nous tirer les mains foubées. De là étant, on a joué avec deux guitares. Bon, c'est à partir de là que deux guitares viennent inclus dans la musique haïtienne. C'est toujours une guitare accordéon, mais c'est à partir de Yeye qui a gagné deux guitares parce qu'il a joué rock and roll. Et puis nous-mêmes, nous tout qu'un format ça, nous faisons et encore pas direct. Habillé que c'est nous, Mouge Baptiste qui était plus gros qu'est-ce qui a gagné à l'époque pour la jeunesse. C'est lui qui a suivi. Et là étant, nous venons commencer à jouer petit musique de Mouyo, petit compagnon, et puis de là étant, monsieur, c'est Dada Jacamon qui voulait que nous répété les mains foubert. Monsieur Ofrinou, il a aimé nous à jouer dans un hôtel. Et ça, toute la canne, l'école toujours. Et puis bon, nous dit monsieur, qui va faire ça? Et puis, mes chances pour nous, c'était de 7h à 11h. Les jeudis soir, c'était les barbecues d'ensemble. Et puis, nous disons que nous avons fait des études, nous avons étudié avec nos amis. Nous avons fait des études avec nos amis. Pour qu'à étudier parce qu'il y a un petit blackout quand même. Et puis, nous avons commencé nos études et puis nous avons joué. Et puis, de là étant, ça arrive jeudi 15 décembre. Et puis, acceptez-nous, si on essaie de le faire. Et puis, jeudi 22 décembre, nous avons joué. Et encore, de 7h à 11h. Pendant que nous avons joué à Dada et M. déplacé, et puis, M. tourné, venu chercher nous. Vers 11h, M. dit, monsieur, nous allons faire là. Ou bien nous bon, ou bien nous mourir dans le film. Vous connaissez cette anecdote là. Lui m'a dit, monsieur Salé, j'ai dit, monter machine. Nous sommes tous montés dans le station wagon. Et puis là, nous paraît nous, c'est devant Choukoun. Et puis nous avons frappé Ségrion. Nous m'a dit, dada, ça passe là, nous allons voir. Tout le monde garde nous frise. Et puis monsieur Pombouté, on me dit, bah chaque nègre coup, on était petit monde, on ça nous sortit une chauffeur en train dedans. Et puis voilà. Nous jouons, nous faisons un bel programme. Parce que nous avons fait une jouer pas direct. C'est sérieux pour le premier break là. Nous montons avec Boléo à saxophone. Et qui était populaire à l'époque. Et puis voilà. Après ça, nous commençons. Après deux Boléo, c'était dans le break Nemo, nous jouons deux Boléo, et puis nous jouons compas. Comme musique que tu connais très bien, les salles patrouillent les mondes d'avant, ils étaient les avocats compas. C'est des rapports ça. Depuis là. Ok. Mais mon chouchou, à côté de sorti. On essaie de répondre rapide parce que nous allons. Bon, c'est d'adapter, ben non. Nous, tout à choisir, nous. Non, on va nous le dire. Il n'y a pas de signification particulière. Mais il était sonné. Ok. Donc, chouchou, pour apparaître là, dans qui forme? Et est-ce que c'est un format acoustique ou bien des guitares électriques? Non, électrique. Parce que des guitares électriques, basse électrique. Ok. Est-ce que nos musiciens qui t'ont composé formation de départ là? Alors, sans songer, parce que avant de commencer, je me demande est-ce que mémoire est bonne? Non, oui, mémoire est très fidèle. Bon, j'étais moi-même,
Smith Jean-Baptiste, Franck Jean-Baptiste et grand frère moi. Tu as Clovis Saint-Louis. Alors, Franck Jean-Baptiste, tu as joué quel instrument? Monsieur n'a pas joué, ça nous est les gongs, tam-tam, percussion. Et puis, tu as Clovis, tambourineur. Et puis, basse, Léon Millien. Guitare et Sergo Rosenthal. Deuxième guitare et Camille Philippe. Chanteur, c'est moi avec Tony qui était connu chanter. Mais nous pouvons avoir un chanteur réellement qui campe devant Gaza. C'est comme ça, la formation. Ok. La période ça, nous avons pratiquement le modèle Nemo. Mais Nemo n'a pas joué avec deux guitares. Nous-mêmes, nous parlons avec deux guitares. Et qui travaille deuxième guitare fait le moment ça? Bon, tout jazz qui t'a formé à l'époque, c'était un accordéon ou bien un piano. Mais nous pas de cas un accordéoniste. Accordéoniste qui était gagné, je devais disparaître, so, nous pas de cas un accordéoniste. Mais nous, dans le même format que hier, nous venons ajouter deuxième guitare, c'est ça qui fait que c'est nous-mêmes qui paraît avec à faire deux guitares. Avec guitare. Ça veut dire que les premiers guitaristes, ça c'était, si nous ne pouvons pas parler comme ça, le premier c'était Serge Rosenthal. Deuxième, c'était qui est-ce? Au début, c'était Camille Philippe. Ça veut dire que nous sommes capables de dire que Camille Philippe, c'est le premier guitariste accompagnateur qui vient de la compagnie. Nous sommes capables de dire ça. Oui. Ok, donc nous sommes tous là qui travaille deuxième guitare fait musicalement. On travaille de soutien. Est-ce que Gragé guitare est existé la forme Jean-Claude Jean vient de faire par la suite par exemple, ou bien est-ce que on a deux guitares qui roulent les gagnent les ok. Camille Philippe pas de guitare fait long feu à peine c'est fonctionne mais après l'année fin de juin avec nous Jean-Baptiste parce que je suis pas réellement guitariste nous pas musicien de calibre à l'époque. Nous venons faire appel à Milo Toussaint. Okay. Voilà comment nous allons répondre à une question posée. C'est Milo Toussaint qui vient avec format bouillon, à bouillir guitare, gratter guitare, que tout l'autre nègre suive. Jean-Claude Jean-Edouard Doussal, Jim Smith, c'est Milo qu'on a gardé spécialement New York. Bon, c'est pour ça que je pose une question, parce que même c'est Milo, et formation pas même tout, que si on a parlé de papa deuxième guitare, c'est Milo Toussaint lié. Bon, nous allons parler de ça. Il a toujours choisi ce public-là, mon équipe populaire, et ce mot plus ressorti à tout. C'est lui-même que tout le monde dit, oh, t'as une guitare. Mais il n'y a pas de travail, ou bien pas comprendre le travail, ou bien, mais il a senti jazz à la loup, mais c'est deuxième guitare, c'est lui-même qui t'a fait le travail. En parlant spécialement Milo Toussaint, c'est monsieur qui t'a fait, quel est monsieur qui est américain, je ne sais pas, backbone jazz. Okay. Parce que monsieur Sonnet, qui tellement joue harmonique, il n'y a pas qu'un bon seul pattern. Mais moi-même, tout le monde a joué, il n'y a pas qu'un bon seul pattern, que Kounia, tout le monde, qui a mis ses balles là, depuis la tête aux pieds. À l'époque, chaque partie me font partie différente. Et je vais illustrer ça pour tout à l'heure. Ok, nous allons illustrer ça. Ok, nous allons écouter. Et pour deuxième guitare là, c'est Milo Toussaint qui vient habiter. Tout le monde vient dessus parce que pas de coquin jazz avec deux guitares. Tabou Combo, c'est deux ans après, il vient paraître, il vient mettre deux guitares. Fantaisie, me paraît après. Mais orchestre qui était là avant, quand on a dit les Coventons qui étaient là avant nous, c'est une guitare à l'accordéon. Okay. Et les Shelbert, une guitare à l'accordéon. C'est nous-mêmes qui partons à format de guitare. Ok. Et très important et comme précision, et quand on a retourné sur l'aspect musical, là, et Kevin Levé a fait toute manœuvre technique, on a remercié pour ça. Et puis Kevin a attendu là tant qu'on relève l'école. et Smith Kounia, et nous dit. Dada passé pour nous, demain nous jouer, son surprise était à jouer avec Nemo Jean-Baptiste. Nous impressionnés, et ce qui me porte à te poser la question suivante, ça ne monte représenté pour jeunes de ça. Est-ce que c'est une entité gigantesque, on est tout mon avis marien? Est-ce que Nemo c'est un grand superstar la période ça? Qui est le public là, t'es ouais Nemo Jean-Baptiste? Nemo. Et soit décrit Nemo physiquement. Et qui j'en ouais, bon flâneur, bel garçon, nègre, et qui j'en ouais, monsieur, et bel artiste, comment t'es monsieur? Mon cher monsieur, c'est un visionnaire, je suis capable de dire ça. Monsieur, son nègre qui tellement t'aimait la jeunesse, l'homme d'âge a demandé monsieur ça, monsieur, sans hésitation, monsieur dit non, mon cher, mais le jazz a venu. Et c'est monsieur qui premier qui vient avec nos mini jazz là. Avec son mot.
que nous qui existait. Mais j'aime ce que dit là nous fin jouer à mon tellement bad bravo mon tellement de dada sous mini jazz là par rapport avec orchestre par là qui gagne 14 15 monde nous même son réduction de 7 monde. Je suis invité encore pour nous jouer avec lui le 22 décembre donc fête des rois à Bruno Rex Théâtre pour nous jouer avec lui et un festival dans Rex Théâtre. Ça veut dire que je suis pas gagné main et esprit de compétition. M'sieur, compétition, monsieur, ouais, que c'est l'avenir. C'est comme ça, moi, monsieur. Allez-y, monsieur, ouvrez la porte là-bas. Monsieur, ouvrez la porte là. Ok. Combien, et monsieur, pose une question. Qui j'en t'ai, monsieur, de mon personnage là? Ils sont équipés de haute taille, ils sont équipés de petite non, taille. Monsieur, ils ont une belle présence sous scène. Oui, monsieur, c'était une belle présence et puis monsieur, c'était un entertainer tout. On va l'habiller tout le bloc, chauffette rouge et foulard rouge. Monsieur, c'était très flamboyant. Même si tu as joué, et puis même le que la dirigeant qu'est-ce qu'il y a, ou que les la compté. En plus, nous, même Diaz qui vient suivre, tu fais même la frappe et pieds la terre pour le faire 40 là. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4 là. Et puis, il faut le faire, on sort à bouger. Ok. Donc, so, depuis un dérapage en musique, spécialement la Boué Festival, ou ébloui par. Non, mais est-ce que jeunesse là, t'es. Oh, oui, nous, c'était. C'est l'occasion de la jeunesse de monter. Des femmes, de baisers. Ah, femmes, ah, oubliez pas ça. Sous besoin de filer en fille, c'est dans le mot boire. Le mot dit ça, mon musique. Ok. Mais est-ce qu'on va trouver que le mot est un petit genre et narcissique, comme si la musique, il doit parler des têtes, on voit, oui, le mot c'est bon Dieu, le mot c'est dit Jésus. Et texte le mot quand même en termes de contenu c'était pratiquement monsieur étape dans ça c'était tout le temps et ce c'est pour comme besoin vous... pour là oui c'était promotion ok c'est pas promotion de l'idée pas oublier que tout monsieur l'autre question il était pour monsieur comme un musicien qui très piètre il était dit monsieur macaque que bal toute qualité non il dit monsieur tout c'est si bémol là pour tout le temps Monsieur était besoin de prouver tête lui. Bon, c'est ça que fait. Monsieur glorifie tête lui-même. Ok. Mais est-ce que selon vous-même, et qui joue monsieur comme musicien? Est-ce que c'est un bon musicien selon vous-même? Monsieur, pas trop un high calibre musicien, un haut calibre, un musicien de haut calibre. Mais monsieur était bonne discipline avec un savoir-faire. Monsieur était bon concept que le tégué dans tête lui, c'est lui-même délivré et c'est lui qui marchait. Ok. Nous avons toujours un problème où nous devons briller nos métiers quand même, nos bagages quelconques. Moi-même, je viens d'entrer dans même son entrée, je ne vais pas briller même avec vous. Mais ça va veut dire que nous sommes chrétiens pour autant. Nous avons un rapport pas que nous portons pour la société à tout. Nous avons un rapport pas pour la société parce que nous avons comme critiqué M. Pil, nous avons dit que M. Pas connu jouer, pas qu'à faire solo. Il pas ceci, cela. Mais jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas accueilli côté de l'autre. La vérité, on n'a pas effacer ça. On n'a pas effacer ça. Ok. On a parlé de compagnie, on a créé compagnie. Est-ce qu'on a l'aise de vous dire ça, que monsieur a créé compagnie, que son création est qui était nouvelle dans l'horizon musical là. Est-ce qu'avec création de moulin, est-ce qu'on a été différent vraiment et qui peut arriver en dans la musique haïtienne? Ok. Il y a deux volets dans la création. Il y a un instrumentiste qui a joué le tambour. C'est lui-même qui vient de faire. Pidibidibin. On a parlé de Kodia Diouf. Maintenant, on a créé le genre de musique. Là. Mais si on a dit rythmiquement, c'est Kodia Diouf qui vient avec. Et pattern. Pidibidibin. Ok. Pidibidibin. Bon, au coup de route, nous venons ajouter percussion. Après ça, nous mettre timbales, petit chalet venons jouer. Top, petit cop, qui te top, top, petit cop, qui vient qu'on y a venu créer 8 copains direct là. Ok, à nous être là. Qu'on y a à nous être côté que nous venons rentrer là. Et ingénieur qui est bien, si on a propose ou bien. Hein? Mettre continuer? Ok, on allait. Et qu'on y a à nous rentrer, souvenir dans la création et. Pas direct là, et aspect rythmique.
elle dit que son percussionniste qu'on y est, et c'est pas par hasard qu'on gagne sous maillot devant là, on essaye de définir qu'on va dire avec la volume. On doit peut-être bailler deux trois suggestions avec Bouchou, qui j'ai entendu à marcher, qui j'ai un bac qu'on a parlé de timbal, est-ce qu'il voit le timbal, ça va le jouer. Qui ça qui définit qu'on parle sur le plan rythmique et en tant que genre musical? Qui ça qui définit? Alors, le genre de Spico là, et instrument était déjà là, il chante bien voyou. Je me explique là, après la bouche ouverte, on boit bim 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 bim. Quand il y a percussionniste là, cop 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 cop. Et puis quand il y a timbales là, lui-même, la petite cloche, une petite cloche qui pipite, toc tic cop, qui te cop, cop tic 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 cop, tic cop, qui tic 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 cop, qui vient faire qu'on y a rythme pas direct. Now. Est-ce que bassa qu'on voit là dedans tout? Voilà. Le musicien qui a critiqué nous mouyo, il dit que nous mou son basse 1-2, 1-2. Alors, c'est nous mou vin fait basse là, marcher, parce que tout l'autre, même Dominique, l'autre pays, c'est 1-2, marcher tout. Alors, ça fait nous genre. Monsieur fait basse là, marcher, boum, 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 boum. Parce que l'homme danser, c'est Réon qui danse, boum. Tout qui vient boire en compas direct là. Now, le monde qu'on jouait les kembe deux accords pour l'aile faire musique qui était pas plus simple. Peut-être qu'il a mis ton troisième accord, il y a accord accidentel ou bien troisième. Mais nous mêmes qui sortis dans le courant, nous commençons à jouer une chansonnette française. Rock and roll, Elvis Presley, tous les grands artistes américains et étrangers qui étaient conjoncés de musique, qui étaient encore là-dedans. Là, nous venons à composer, nous-mêmes, nous composer avec plus d'accord que nous, Jean-Baptiste. Mais c'est ça comme nous, nous créons un genre de compas direct là. Nous-mêmes, bon, qui n'avance pas recul, sur nous-mêmes n'avancent pas. Mais c'est même porté, compas direct, nous, moi, qui n'en avons pas harmoniquement. Moi-même, je viens créer cymbales là au cours de route parce que je suis déconnu jouer. Nous allons arriver, oui, là, on va mettre la charrue avant les buts parce qu'on va le définir et cymbales là que vous venez mettre là. Mais en attendant, est-ce que vous avez une petite démonstration à battre là sur le plan rythmique, même le baillet tambour, mais est-ce que vous avez défini la différence entre ce dio là? Ok, par exemple, au début, absolument, compagnie avec nous, moi, que monsieur était conduit sous cloche, même pas de cloche, sous tête cette balle-là. Avec le snare-là, sous côté de vous, les sablimes chat, on était content de nous. Mais c'est le mot tout qui venait, c'était le premier timbal de ce moment, et Jomer, c'était Napoléon, c'est monsieur qui venait avec affaire break. Mais break était limité, c'était pis, 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 pis. Ou bien pis, on prend tout à l'heure. Par exemple, j'ai une musique là, t'es depuis sous Big Ben, cymbale là, c'est ça, le crash là. Bouf, bouf. Même Napoléon venait avec break, en ce matin, bois. Pis, 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 pis. Avec une fois, pis, 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 monsieur Binavel. Donc, on va dire avec moi, Napoléon. Quand il y a le T-Shirt Vinvini, monsieur Vin fait l'autre pattern lui-même, sur Timbales. C'est pas de batterie, non, c'est Timbales. C'est ça, c'est même courant, ça, monsieur, moi, c'est courant Timbales. Et après, je débutais avec Timbales. L'homme vient à jouer. Mais rapide, rapide, qu'est-ce qui fait avec Timbales avec batterie? Qu'est-ce qui fait avec Timbales avec batterie? C'est quoi la différence? Rapidement. Premièrement, Timbales là, c'est campé pour camper parce que son bar qui est campé. Et puis c'est deux pièces seulement. Ok. Il gagne. Et puis il y a un petit cloche sous lit seulement. Et puis d'habitude, c'est monsieur Latin. Sous côté Timbales là, il fait. Il fait ça sous côté. Okay. Mais nous-mêmes, comme sur l'autre rythme, c'est qu'on pas direct. Nous venons faire bagarre à nous. Monsieur avant eux, à moi-même non. Monsieur avant eux, Tichal, Napoléon, ils ont fait lui. Moi, je viens ajouter pour
plus tard, vient inviter bah pas me la donner. Comme vous dites moi ben pita n'a pas de ça, donc c'est là que alors différent ça, tu me balais ça. Batterie elle même ligon ça le snare drum là. Une série de petits franges qui emballent, qui font sonner grésillé. Et puis, avec deux tambours. Même un troisième tambour qui a tête tout. C'est la même majorité et jazz haïtien prenu qui fait ça, nous, les tambours qui fait l'autre percussionniste qui a joué. Mais, nous avons toujours gagné là. L'autre pour la fois. Comme bagage là, l'autre tout boum boum. Et puis, le nous venons qu'on y a traversé, nous venons commencer à jouer batterie régulière. Et j'avais dit toute pièce ça, nous avons ajouté bass drum là, qui vient faire partie de la compagnie de plateau. On est là. Qui a marché bip, 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 qui vient rendre bass player là, mais quand vous basse là, vient plus libre pour faire plus notre. Au lieu de la pkebe, boum, 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 parce que bass drum là déjà pkebe. Et patente ça, bip, bip, et puis lui-même, il y a une liberté pour les lap mounsois pour faire passer une note qui run, ou bien ou l'autre patente sous bip, bip, bip. Là. Ça veut dire c'est évolution qu'on va dire là. Ok, évolution qu'on va dire là, nous va arriver la donne, mais bien avant, on prend une petite pause, on prend une petite pause de quelques minutes, et puis on vous revient. Je me rappelle donc que nous avons suivi 2-3 mois avec Pipo, et que notre invité aujourd'hui, c'est Smith Jean-Baptiste. Des chleux. Allez, on prend la pause et on vous revient d'ici quelques secondes. Qui
sur la télévision ou à Vinti Blanc de Volot. Pourquoi c'est lui-même dans le moment qu'il a mené Haïti tourne. Marguerite qui dit. Pourquoi depuis dans Miami, je vais regarder l'autre télévision branchée sur 18.7 et puis télé à Macao, on a regardé la caille. Je vais regarder Choukli. Marguerite, oui, qui dit. Chef, après cette courte pause, et moi je nous avec un peu de plaisir avec Smith Jean-Baptiste. Et nous avons très avancé, nous avons dit, et nous avons pratiquement une sorte de développement, nous avons fait son évolution sur le plan rythmique. Et pour nous arriver justement, nous identifier et nous survoler que papa, deuxième guitare, c'est Milo Toussaint, à qui on aura suffisamment par hommage. Parce que l'on a parlé de toute histoire qu'on parle, il y a de nous qui est important que nous pas cité suffisamment, de monde d'un coup Kouzé du Rousseau, de monde d'un coup Napoléon, de monde d'un coup et Milo Toussaint, et nous pas parlé de monde d'un coup suffisamment. Donc nous pensons que nous avons essayé de toucher et petit point ça. Quand on arrive, si vous voulez, on a développé ça de timbales, ce qu'on va passer à batterie, qui vient bah, peut-être plus l'attitude, nous avons dit. Et à un percussionniste, comment dire. Oui, mais c'est deux jurys différents. Okay. Parce que nous sommes plus latins en okay. Haïti. Mm-hmm. Nous, c'est feeling latin, mais comment pas dire. Quand on est venu entrer aux États-Unis, Brel John Bagala qui parle de tonnerre, c'est Mano qui fait quitter Timbales à jouer batterie. Ok, ok. Ça veut dire, tu as beaucoup de monde déjà joué batterie déjà. Mais pas dans le format heavy drumming. Et tu vas à balle, c'est comme ça. Et tu es conduit depuis sous l'Echelbert, le Conventon, tu as beaucoup bossé, même continuation. L'homme vivait aux États-Unis, c'était pour latin. Et tout orchestre cubain, portoricain, on va à New York, l'on sortit tout orchestre, c'est Timbales. Et puis, bon, moi, je continue à Timbales, je rentre aux États-Unis, je continue à Timbales. Même commencer à visiter une série de l'autre américain, spécialement, ça nous a les folk music, jazz, qu'on y a ma poète batteur qui a joué. Et bon, moi, je dis, monsieur, ah, monsieur, je vais changer pour me jouer batterie à Oconnet. Il y a qui conservateur. Il dit, mais ah non, mon cher, il y a des timbales. Mon cher, je me révolte parce que les tabou combo en parlant de Herman, a joué batterie là, que depuis en Haïti. Mon cher, dit, monsieur, mon cher, je vais bêtiser, mon cher, la gare fait timbales, je vais batterie. Et puis, on prend toutes cette là. Mais, ou déjà, gagné un métier déjà de timbales là, c'est même pour moi. Il y a deux trois instruments en plus, bass drum, non, snare là, bien que je dégage snare sous côté Timbales en Haïti. Il est facilement de jouer. Okay. Okay. Mais il était bon mon attitude que qui était plus allé comme Tadou, il était comme Kata et sous Timbales ça. Quand c'est campé, je suis obligé de baisser pour ma pour ma faire Kata. Mais quand il y a Mchita, ouais, Chita. Mm-hmm. Mais même est-ce que Kata, est-ce que son bail universel ou bien son bail essentiellement ici? À nous, il est Kata. Ok. Kata, son bail africain. Mm-hmm. Ok. Je vais aller tourner tout à l'heure. Kata, son bail africain. Ou bien pour l'eau aller dans la province jusqu'à présent, ou bien pour un nègre de petit tambour, c'est Kata seulement. Job, c'est Kata. Est-ce que tu as défini Kata pour nous rapidement? Alors, qui Kata, Kata, qu'on va dire que moi, Kata, qu'on va dire là, moi ajouter tam dans la donne. Par exemple, moi faire. Mm-hmm.
Gagne l'autre kata, c'est. Il y a plusieurs kata. Alors, c'est selon pattern de musique là. Ou jouer avec type de kata. Now, pour ces balles là, il faut m'expliquer qui genre que je prépare avec ces balles là. Okay. Alors, pour nous illustrer, à l'époque, et l'un prend tout le monde pour arriver à la Timbalès jusqu'à Chouchleu, ça veut dire que son travail de soutien que nous avons fait, mais vous pouvez ajouter ces cymbales là qui prennent un petit genre pour ton changement là. J'aime bien dire ça, les gens qui pas marché, c'est comme ça qu'on a un langage terre à terre. Right. Elles sont bonnes. Donc, qui ça que tu as manqué qui prend le nom, le calé cymbale là, et puis ça calé cymbale là finalement. Ok. Mon cher, Léon est venu dans les années 66, comme ça. J'ai commencé décembre 65. Léon est venu dans la zone juin 66. Il y a plusieurs amis dans Katia qui sont allés étudier aux États-Unis et au Canada. Parmi lesquels, et Johnny Saye, petit Issa Saye, qui est sous côté de la Canada, dans l'avenue du Chili, avenue 2. Et puis, il y a en face de Josie Salgado, qui habite en face. Monsieur s'est sorti aux États-Unis, mais on connaissait la Canada que Jazz a entraîné, c'est la guerre tout instrument. Monsieur est rentré, vient passer vacances après étudier. Et puis, monsieur Vinjo m'a dit, ah mon cher, on nous veut jazz. American jazz. Bien, monsieur, je ne vais pas dire jazz. Non. Et qu'on pas dire, mais quand je dis, non, mon cher, le facile. On connaît. Il dit, qui est le facile là? Mais je dis, mais ça pour faire. Je vais aller avec moi. C'est break que nous fait, j'aime donner le mot. Napoléon était jip, 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 break que nous fait, nous te suivons break le tout, nous faisons break pas nous tout. Quand il y a son s'arrête dans les armes, dans les armes de là. Et puis, l'homme finit de faire répétition, et j'aime pas que pas monsieur pour jazz, il dit, mais qui j'aime pour me faire. Son arrête dans les armes, mal dormi, son arrête dans les armes. Je n'ai jamais pris ce bal là, sans ça me déprendre pour break. Il m'a fait faire sa belle sous la tête de ce bal là. Et il m'a frappé le bout. C'est lui qui m'a fait servir cloche timbalesque ou un mot qui m'a gagné. C'est mon cloche, c'est avec lui qui m'a fait. Quand on a l'homme fin fait, si Dieu m'a pas avec monsieur Abdou Diaza, puis son rythme dans moi, mal dormi, mais souvent c'est la carrière, et puis dans le même lever, je suis fasciné pour son, je descends en bas, pour contre moi. Même papa me dit, oh, contre l'autre monsieur, pour lui commencer à entraîner, à entraîner, puis c'est ma vie, et puis je prends kata haïtien, ce dos qui saute dans l'Afrique là. Ouais, il y a plusieurs kata, je prends ça. Qui modulait avec compagnie directe là. Voilà. Ça fait 67. Now, je souhaite être du Namba, on est qui vont tard, qui va parler. Il y a plusieurs mouns qui disent que c'est eux-mêmes qui font. Ok. Parce qu'il faut que les gens qui font. Bon. Je fais. Mais même si on a joué comme je ne pas jouer encore, moi jouer avec la musique, je fais arrangement rythmique. Je fais des cymbales là, des cymbales là, je fais des kata, je fais des sous hi-hat là, je fais des selon la musique là arrangée. Mais quand je prends des cymbales là, de la tête aux pieds. La musique a commencé à caler jusqu'à ce que. Musique l'a fini. C'est pas une bonne chose selon toi. C'est pas quoi? C'est pas une bonne chose selon toi, Jean-Paul. Bon, c'est bon parce que il est identifié qu'on y a son ajout. Non, qu'on pas direct là. Parce que je me souviens, je l'aime pas être à bas. C'est un bon guide. Vous connaissez Aïssé, tout le monde, il y a une anecdote. Il dit, monsieur, qu'on y a un bon trinité, qu'on y a un tambour à pidi, bidi, bim, et percussion, qu'on y a un cymbal à venir, qu'on y a son trinité.
Bon, et pour forme de musique qu'a joué Kounia, il marche avec lui. Mais comme musique moins élaborée que hier, musique qui a été élaborée, c'est pas que musique d'aujourd'hui n'a pas bon, non, pas vraiment comprendre ce que je dis. Mais tu as plus vie retournée dans la musique. Tu as plus part dans la musique. Que nous te critiquons un peu, nos musiques qui ont 7 musiques là-dedans. Parce que tout le monde a besoin de monter fortio. J'en mets tel accord, tel accord. C'est comme ça la musique là qu'on nous monte la musique. So, moi-même, je suis obligé de faire différents patterns sur chaque partie que nous avons et sur l'harmonique à faire. So, Kounia, depuis la musique a commencé, bam, 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 pidi, bam, chap, chap, chap. Il commence juste. Au début jusqu'à la fin. Et quand c'est balle là. OK. Malheureusement Smith là nous venons avec temps qu'on doit mais prendre toute sa canne dedans. J'ai envie de dire à toute Cyril Verdunier mais malheureusement c'est l'hôtel Anacarona noyé et yo gon méthodologie, yo gon minute à jour. Donc généralement pas aussi formel le type de émission ça yo. Et, mais on va s'y faire. Donc, on va me poser quelques questions. Je cite quelques noms là, je vais juste aimer ou chercher où me vous définir. Je vais vous dire dans la maison là. C'est comme nous et qui a bien levé pour dire goûter. Donc, je vais vous dire un nom et puis avec Oumou, je vais dire son passé de vous. Ok? Avec Oumou. Ok? Et Herman. Bon batteur. Bon batteur. Ok? Je vais vous dire deux mots. Et Choubou. Excentrique. Excentrique. Ok. Timono. Un peu flamboyant. Ok, flamboyant. Ok. Ou musicien qui marque ou la toute génération qu'on parle, qui marque ou même personnellement. Milo Toussaint. Milo Toussaint. Ok. Et. Un batteur et qui marque où? La musique haïtienne, non? Alors, génération d'hier, génération et pas non ou bien génération d'aujourd'hui? Non, nous allons sur génération d'aujourd'hui à tout à l'heure. Bon, et. C'est Tichard parce que c'est à partir de monsieur. Et monsieur était comme une pile notion. Ok. Ma bonne anecdote, nous sommes et en Haïti, et puis monsieur dit, mon cher, ou gen baguette étranger, il me dit, c'est ça que baguette étranger, ouais, baguette ça, il y a deux types là-dedans, ouais, petite tête ça, monsieur dit, mon bel galerie là, il me dit, monsieur, oui, monsieur dit, chaque matin levé, fait roulement. Ça, son soldat professeur, monsieur, bon, pile technique, monsieur parle d'un pile bagaille, les batteries. Ok, ça, c'est un batteur, t'es quoi, le monde de question? Ah, monsieur, son nègre extraordinaire, monsieur, son jongleur. Ok. Ce sont des gens blagués. Monsieur Moïse, les lap fait solo. Vous, dans la musique, des méthodiques. Vous qui fait un solo, il fait le méthodique. Mais vous qui fait le bénévolat, puis la fin, puis. Et Allemande, c'est ça, monsieur. Monsieur, son nègre qui gagne. Pas de pareil. Rapidement, et qui sont passés de Nancy Thomas. Qui joue au monsieur? Mon cher, j'ai écrit sur monsieur pour. On est à Wibrik, moi. Moi, j'ai dit mon bagage. C'est monsieur qui vient remplacer saxophone qui était primé dans Bini Jazz avec keyboard. Ok. Un musicien qui pensait que vous fait abus, que l'histoire pas récompensé, que vous pas parlé de lui suffisamment? Ce n'est pas parce que monsieur c'est cousin, non. Mais ma douce, c'est Dadou Basket. Dadou Basket? Ok. Donc, on y a du parentage. Mais pour qu'ils soient estimés, on va parler de monsieur. Tout le monde d'accord que Dadou, c'est un meilleur guitariste de génération. Parle pour qu'il ça. Vous trouvez que vous avez plus de bail toujours pour devenir? Oui. Pourquoi ça? Pour qu'il ça? Bon, nous, le monde actuel, ce qui est plus facile, là, c'est l'adopter. Okay. Parce que nous vitesse qu'on fait qu'on y a là. Et. Vous voyez la musique qu'on a, vous pas prendre 2 mois, vous finir. Ou là, pour la musique d'hier, la musique l'a arrêté pour la vie. Ok.
Ok. En parlant de Dadou Basket, et qui opinion de Tico Basket comme batteur? Oh, c'est son beau batteur. Ouais, Tico, son gars, c'est flamboyant tout. Moi, quand Tico, l'aime faire quand il est aux États-Unis. Alors, nous avons un lien de parentage parce que maman, c'est Basket et arrière-cousin papa. C'est de là que je fais connaissance avec eux. Je suis déjà à jouer avec, à jeune âge, à jouer avec les frères Sico. Monsieur, ça a été connu en pile latin. Monsieur, tu as un format latin en lui-même, déjà. Okay. Parce que pas de guette à évoluer en Haïti, c'est okay. Stade. En avant, c'est trois musiques qu'on va dire qu'on pensait que c'est de musique de référence. Wakoun, on a parlé de qui génération? En rythme la génération pour là, après ça m'a fait même exercice à voir sur ce qui a passé journée jeudi, mais n'a plus coûte. Génération pas maintenant, bon, c'est pas parce que moi c'est chleu-chleu. Bon, musique universelle vraiment, c'est pas lui qui plus élaboré, non, mais c'est lui même qui est plus populaire, c'est Mundamou. Ok, ok. Mais de toi, on allait. Oh, et alors, et Ougeye et David. De DP Express et puis ou gen Haïti Skacha. Ok, ok. On a la génération Kounia là et rapidement, ça va se donner de quoi la rivière. On est un bon musicien et un bon maestro tout. Monsieur est très rigide, ça l'a fait. Monsieur prend un métier à, tout bon, monsieur pas dans jouette. Et puis, monsieur prouvait ça tout parallèlement. Monsieur. Musique, monsieur, très attrayant, et paroles très bien charpentées, qui bon. Je souhaite que monsieur fasse six changements un peu pour courant par les mêmes gens, parce qu'après un certain temps, il faut faire six changements dans les mélodiques. Ok, ok. Et Gazan Voleur? Monsieur, j'étais impressionné, moi, j'aime fréquenter. Florida, je ne sais pas, monsieur, moi j'ai 15 ans de venir habiter Florida, moi monsieur t'a joué époque ça design. J'ai trouvé monsieur une belle portée à voir lui, monsieur puissante et puis présence et scénique, monsieur. Très bon. Monsieur, un beau chanteur. Richie son batteur et chanteur à 16 heures et son passé de Richie. Bon musicien, complet. Musicien complet. Dès mon petit conversation avec M. Lodjou là, M. était très humble. M. expliquait mon idéologie musicale. Et mon cas, ouais, ça, non, musique, monsieur, j'aime monsieur, ouais, musique là, j'aime que monsieur interprète musique là. M. très bon musicien. Ok, ok. Et en forme? Ok. Et ou percussionniste, bon, ça te parle de Ritchie, mais ou percussionniste, bon, il y en a qui pensent que même là, j'ai avoué, il y en a qui mais quel avance sur vous, avez dit que on a que par exemple, comme batteur, et il y a Jacob. Oh, monsieur consistant, monsieur grandurance. Ok, ok. Ça va penser de Fabrice Souzier. Bon musicien, très élaboré. C'est très méthodique tout. Okay. Ça l'a fait. Il n'y a pas un vitioso, un flamboyant, qui a fait un gros solo. Mais l'homme se fait arrangement. Alors, son bon père, tout lui-même avec Keke Belizer. Ok. Combien on nous parlé et on dit et la musique haïtienne, qu'on pas dire combien là, et qui ça qui dérange ou qui ça qui dérange ou et qui sont remis dans la musique a fait journée aujourd'hui. On a les rapides, mais... mais bon, j'ai une musique à faire du dia que j'ai vraiment seulement plusieurs monde plein de lui, que tout jazz presque tout semblait. Il fut un temps, on n'entend pas maintenant. Chaque jazz était une couleur. Qu'on y a, par contre, c'est la technologie moderne qui fait ça. Vous prenez les computerisés, la musique là. Les vignes, un gendarme qui a marché droite. So, il n'y a pas de sassi, qu'on peut dire là. Il y a quelques jazz. Que l'air performé live, ils mettaient ça si à la donne, mais d'habitude, où c'est bip la camache, bip, bip, et puis musique à droite. Et bien que les petits coups harmoniques la donne, mais où ka ouais que
bon zeste, bon petit piment qui manque là-dedans. Ok, et qui sont, est-ce que vous m'avez aimé en particulier dans la génération ça qui est différent de la génération Paul? Chanteur. Chanteur, ok. Chanteur, très bon, très très bon. Tout chanteur de la nouvelle génération, vous chantez. Ok, ok. Est-ce que vous chantez en particulier qui marque la génération ça? Bon, pas réellement, non, parce que... Vous n'avez pas pour moi ne pas faire jalousie, moi, de parole. C'est le même problème, non, monsieur. Mais foguez, vous n'avez pas compris. Ça, c'est vous, vous n'avez pas arrêté tout ça. Vous n'avez pas un chanteur qui manque. Bon, là, pour un chanteur, réellement, chanteur sérieux, vous n'avez pas l'engavé, vous n'avez pas t'entendre. Dans la génération qui vient après. Dès que vous chantez sur le tantôt, c'est un extraordinaire. Malheureusement, ça n'a pas fait de marcher pour lui dans le combat direct. Mais après ça, si monsieur Kounye, il y a une pile technique. Okay. Il fait voix de naturelle, il fait voix de gauche, il monte, il descend, monsieur, il y a une technique là. Mais il y a une grosse série de petits, par exemple, un bon exemple. Moi-même, je peux gagner. Je ne suis pas un chanteur, non. Parce que j'ai des problèmes pour me chanter, mais je connais what it takes to be a singer. L'ombre, matin, le moins levé, après, un bon sommeil. Est-ce que vous avez vu dans la fête dans la musique là? Il n'est pas comme ça encore. Monsieur, de là, je dis à moi d'aller pour t'aimer, c'était tout le temps. La pontière, on va saccater. On va une balade là, un peu moins que balade dans mélodie. Ok, trois musiques qui la génération qui est sur, trois compositions qui est sur. On gagne Zami harmonique là. Ok. On gagne et par contre si vous voulez mettre l'orchestre là, la rivière dans. Oui, vous mettez tout en cas. Musique moi-même qui fait, bah là, c'est. Comment ça s'appelle encore? Ma petite cookie que moi-même. New look. New look. Et puis, classe moi-même. Pape Marie, Pape Marie avant, tu sais, on s'en va comme ça. Ok, donc trois musiques, ça, oui, bien sûr. Ok, et ce bon conseil, votre génération, ça, qui s'est la pied? Kemela. Non, moi, ça. Kembe Flamboa, parce que la musique n'a pas qu'à mourir. Parce que la musique a continué, parce que c'est au gain, non mais au gounia. Okay. Okay. On peut faire avancement, et puis essayer de faire un fond en tête. Il y a un festival qui fait hier soir là, dans New York, là que CNN a organisé. Toutes les gratis. Mais ensemble, et puis on peut faire. Bah, ça, c'est extraordinaire. Okay. Nous avons fait ça tout, sans polémique. Mais qui joue et maquette là, tout divisé, n'est pas foutu sur l'autre. Et polémique là, ça y est, les polémiques là, exemple l'agressivité, mais ça veut dire polémique même au niveau des animateurs de radio. Et il y a un pile malaise entre fanatiques jazz. Donc, est-ce que l'époque pour la c'est comme ça le territoire? Mon cher, son bail qui nous dit un et nous-mêmes. Même des amis, il y a polémique. Nègre doit bien, bon, bon, et polémique. Même dans frère, tout est polémique. Mais bon côté vient arriver, il y a l'au-delà. Bon, par exemple, il y a une polémique quand tu vas avec Jacot. Ça, c'est l'indécence. Bon, suite Mickey, c'est l'indécence. Bon, il a joué l'autre. Il n'y a pas besoin d'arriver là. Monsieur Mounan, c'est la bonne musique. Non, mais tu sais qu'on a été époque, le musico. Il y a tout qu'on fait polémique, oui, mais bon. Et nous, même, il y a Villeneuve. Mais il n'est pas arrivé dans le niveau. Non, non, il n'est pas arrivé dans le niveau. Il était puisque tu es dans le niveau musical, quand on a donné tout là où nous sous Do, avec Do, et notre Do. C'est un si bémol, et puis on dit, monsieur, macaque pas de mémoire. Gentil, ça vous dit là. C'est très gentil. Oui, on c'est comme ça, vous me direz, M. Macaque, parce que si on a quitté flamboyant, les lapes,
Si on était Tchendel T, monsieur était en avance tout, oui. Bah, il t'a fait, pas de compagnie, quand dit, monsieur, qui a fait une tête, monsieur a fait sous cette. Et pourtant, c'est un tête, il t'a fait une république là, mais sous cette, je dis, pendant le blanc là-bas, que c'est là nous venons aux États-Unis, nous réalisons que nous sommes déjà devant déjà. Mais l'autre, il t'a fait polémique avec lui, pas de comme ça. Il a fait monsieur Kokoum Dadou son macaque, venir. Mais pas de. C'est pas le même type de polémique. Bon, moi, anecdote qui est l'entête dans la période, ça, on va comme si qui fait rire, on va qui est amusant. Et moi, anecdote quelconque qui est l'entête, on va pas songer pourquoi, je veux musique, je ou bien baron. Ou anecdote quelconque. Vous savez, plusieurs, là, et. Anecdote, d'abord, plus ça, je me bats là, non, c'est Dieu, dis-moi ça. Nous, qui pouvons jouer avec Seat, on connaît pas de backstage, c'est pas devant musicien, je suis devant l'air pour monter, monter au petit machin escalier pour monter. Saxophoniste là, il y a un saxophoniste qui a monté, puis monsieur trébuché. Monsieur tombé, puis saxophoniste est tombé. Oui, ben, alors on connaît, c'était nous qui t'achetons tout de suite. Mais nous, on pas dit, monsieur. C'est la forme, non? Il me dit, ça qu'on n'a pas casé. Bah là, ça a été faux, blague, ou tout, comme ça. J'ai pas plus d'importance avec instrument, que l'instrument, tu sais, au point qu'ils sont tombés là. Là, ça a été invisible. Ok. Et est-ce qu'on a rapidement, quelques clubs qu'on a joué en Haïti, dans la période là, qui étaient des espaces de rendez-vous pour jeunes? Est-ce qu'il y a quelques clubs qui arrivent dans la tête ou qui parlent encore peut-être? Bon, Cabane Choukounda c'était number one. Parce que nous étions en pile kermesse. Là, on a fait Saint-Pierre, tout le gratis qui était entré, que nous étions joués avec eux, c'était Cabane Choukounda. Après ça, c'était Guerrel Rancho, que nous-mêmes, c'est là, nous étions joués chaque jeudi, et puis là, nous avons fait grand fête d'année, fête sur le 31 décembre, et puis nous avons gagné un point dans le club. Nous devons jouer là dans la dernière année avant d'entrer aux États-Unis. Et club ça y est. Après ça, pour qu'on gagne trois clubs, mais il y a plus dans Pétionville comme dans l'Hôtel Montana, chez Menos, Cabane Choukoun. Bon, Villa Creole n'est pas assez grand. Oui, Pétionville est une pile ville. Oui, c'est là tout Pétionville. C'est ça qui fait que un peu de monde comprend que Pétionville nous sortit. À cause de la note qu'on a pu évoluer, c'est la dérouée plus. Ok. Haïti actuellement dans une situation qui est très grave, tremblement de terre, un président qui a assassiné, instabilité, crise économique, dans la montée de tête nègre, et misère, la souffrance, toute qualité de problème, et gang bas, c'est pas là. Donc, est-ce que un message pour le monde qui est Haïti, un message pour le monde qui a géré le pays, et un message pour la société d'une manière générale, en tant que Haïtien quand même, qui était grandi en Haïti, d'après ce que raconte là, qui n'est pas de guerre. Qui n'y a pas de autant de violence en tout cas. Bon, politiquement, Haïtiens n'ont pas préparé politiquement, ils prennent notre système polémique qui a parlé là. Ils ne peuvent pas l'autre. Ou pas de droit à faire partie d'un parti. Les bouffes font partie, c'est une milouille. Ça, c'est le premier problème. Là. Ou pas de divergence d'opinion. Parce que depuis ça veut dire qu'on va faire partie pendant. Ça, là, depuis longtemps, oui, mais il y a une pirouette. L'autre bagaille qui vient arriver, nous n'avons pas de monde qui voulait faire la politique, ils n'ont pas préparé pour ça. Parce que tu as changé. What used to be right is wrong now. Or what used to be wrong is right now. Bah, vous avez fait longtemps qui était bon, qu'on n'y a pas bon. Ça, vous avez fait pas de bon, qu'on n'y a pas bon. So, monsieur, pas qu'à faire différence, ça bon. Parce que nous vivons, nous pouvons être dans le badon pit là. Je dis badon pit là, c'est dans le toit, juste en bas. Ok, ça vous fait, mais rapidement. Parce que quand nous sommes en bas, pas de l'autre côté, on voit qu'à le bifon, c'est remonter pour remonter. Espérons-le que nous pouvons remonter, nous pouvons monter sur face là avec un bébé de Haïti. C'est ça. Eh bien, Smith, merci, bonheur. C'est un plaisir pour nous de recevoir. Et nous espérons nous recevoir encore parce que nous pensons que nous survolons, nous vraiment arrêter dans les années 60 surtout, nous pas vraiment rentrer dans les 70 surtout. Et même là, peut-être, ou histoire ou vraiment la musique, ou capable de le penser, et on dit, j'en font camper depuis les années 70, m'avait dit. Ouais. Et c'est dommage quand même qu'on ne peut pas faire plus de temps
et actif. Bon, je fais activité, oui, mais je n'ai pas trouvé non point populaire, même avec l'époque chercheuse. Par exemple, j'ai Tamat Ben, Chem Ben, je suis habité en Floride, 15 ans de ça, j'ai fait chercher ma amie en SAS, qui marche très bien, j'ai un bon musicien avec moi, mais quand même, j'ai une génération. Okay. Et la nouvelle génération vini yo te cover mais quand même de faire l'affaire. OK. En tout cas, si j'aime dire nous devons retourner pour nous parler pour qu'ils ça pas de appréciation des années 70 et des années 80, comment on comprend l'évolution qui fait la musique là et dans toute période ça, parce qu'il y a eu des changements en 70, il y a eu des changements en 80 également, et peut-être qu'actuellement il y a encore des changements. Ça veut dire que peut-être qu'on va revenir pour nous parler de ça beaucoup plus longuement. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir et pour nous être avec nous. Et nous vraiment espérer que tout le monde qui pourra regarder et échanger ça, a sorti avec tête beaucoup plus rempli et avec beaucoup plus d'informations nouvelles. Donc, c'était 2-3 mots avec Pipo. Et nous rappeler encore une fois que c'est le début d'une collaboration que nous espérons sera longue et fructueuse avec Télé Anna Carona. La première, c'est Kirby Léveillé qui a fait toute manœuvre technique. Et puis la première, c'est Maquilleuse Latou. Et la première, c'est Smith qui te répond sans hésiter à notre invitation. Donc, on se retrouve pour le prochain numéro de 2-3 mots à Pipo. Non pas, c'était Philippe Saint-Louis. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse Haïti chérie. N'a pas bientôt si bon Dieu voulait. Qu'est-ce que là?